Le seul moyen de sortir est de passer à travers. Robert Frost. Avez-vous déjà eu du mal à laisser aller un souvenir douloureux? Cette citation nous rappelle que la guérison ne consiste à lâcher prise, mais à traverser nos émotions. Je suis Marc. Rejoignez-moi pour explorer une approche compatissante de la guérison à travers l'acceptation et la présence. Au lieu de repousser nos émotions, apprenons à les accueillir et à les reconnaître. Ce changement de perspective peut mener à une véritable guérison et à la paix. Nous explorerons comment être présent avec nos émotions plutôt que d'essayer de les surmonter, peut transformer notre relation avec la douleur. Beaucoup d'entre nous luttent avec l'idée de lâcher prise, se sentant pressés de tourner la page sur notre douleur et nos expériences passées. Au fil de notre vie, nous rencontrons divers défis émotionnels, allant de petites contrariétés à des traumatismes profonds. Essayer de surmonter ces expériences nous pousse souvent à enfouir nos émotions plus profondément au lieu de les traiter véritablement. La pleine conscience nous permet d'observer nos émotions sans jugement. Ce concept enlève la pression de devoir changer ou corriger ce que nous ressentons. Cependant, le point de bascule survient lorsque nous adoptons la pratique du laisser-être. En étant présent et conscient, nous pouvons commencer à guérir. Cette approche nous permet de traiter nos émotions sans la pression de les repousser. Après la fin de ma dernière relation, je me suis senti le cœur brisé et perdu. J'ai passé d'innombrables nuits à réfléchir à ce qui s'était passé, rejouant chaque moment dans mon esprit. Cependant, lorsque j'ai commencé à accepter mes sentiments au lieu de les combattre, j'ai trouvé une paix inattendue. À travers ce voyage, j'ai reconnu mes erreurs et j'ai essayé d'apprendre d'elles. Étonnamment, j'ai découvert qu'en changeant d'état d'esprit, je pouvais me sentir bien à nouveau. J'ai réalisé que l'amour et le respect que nous avions l'un pour l'autre n'avaient pas à disparaître simplement parce que notre relation était terminée. Aujourd'hui, notre lien a évolué en quelque chose de peut-être encore plus fort. Nous nous soutenons et prenons soin l'un de l'autre d'une manière profondément significative. Cette expérience m'a appris qu'évoluer dans une relation peut être tout aussi bénéfique, voire plus, et que parfois, simplement laisser les choses être est la réponse. Adopter pleinement cette perspective a considérablement amélioré mon bien-être. Portons avec nous cette idée d'acceptation. Trouvez une position confortable, fermez les yeux et prenez une profonde inspiration. Puis expirez. Laissez aller toute tension persistante et préparez-vous à embrasser un état de calme. Sentez la tension quitter votre corps à chaque respiration.
vous êtes maintenant dans un chalet confortable niché au cœur de la forêt. La cheminée fournit chaleur et confort, et la douce lueur des bougies crée une ambiance apaisante. Vous êtes enveloppé dans une couverture chaude, vous sentant en sécurité et détendu. Sentez la chaleur du feu sur votre peau et écoutez les doux craquements des bûches. Le parfum terreux des pins environnants remplit l'air, vous ancrant dans le moment présent. Imaginez la douce danse des flammes dans la cheminée, projetant une lueur chaleureuse autour de la pièce. L'odeur du bois brûlé renforce le sentiment de confort et de sécurité. En inspirant, imaginez la chaleur et la paix de la cabane remplir votre corps. En expirant, libérez toute tension restante et laissez-la se dissoudre dans l'air. Sentez la douceur de la couverture autour de vous, la tranquillité de la forêt à l'extérieur et l'ambiance paisible du chalet. En ce moment, vous êtes pleinement présent, acceptant et embrassant vos émotions. Cet endroit symbolise un havre de paix pour votre esprit et votre âme. Chaque objet dans cet espace ajoute à la sensation de confort et de sécurité. Continuez à respirer profondément et visualisez-vous à l'extérieur du chalet. Le ciel nocturne est clair, parsemé d'innombrables étoiles scintillantes. L'air frais de la nuit est vivifiant et le parfum des pins et de la terre est revigorant. Vous ressentez une profonde paix en vous tenant ici, embrassé par la nature. Imaginez un petit ruisseau bouillonnant à proximité. Le son de l'eau s'écoulant sur les rochers est apaisant, vous invitant à vous asseoir sur ses rives. Sentez les pierres fraîches et lisses sous vos mains et la douce brume sur votre visage. Cet endroit est votre sanctuaire, un refuge où vous pouvez entièrement lâcher prise et simplement être. Prenez un moment pour vous immerger pleinement dans cette scène. Sentez la plénitude d'être présent dans cet environnement paisible. Que chaque respiration approfondisse votre connexion à ce lieu de paix et d'acceptation. En ce moment, vous réalisez que tout comme le chalet et ses environs vous acceptent et vous embrassent, vous pouvez également accepter et embrasser vos émotions. Il n'est pas nécessaire de changer quoi que ce soit, simplement d'être présent et en paix. Ramenez lentement votre conscience au moment présent, emportant avec vous ce sentiment de paix et d'acceptation. Souvenez-vous que vous pouvez revenir dans ce sanctuaire chaque fois que vous avez besoin de trouver calme et réconfort. En vous allongeant pour dormir, laissez la chaleur du chalet et la tranquillité de la forêt vous guider vers un sommeil profond et réparateur. Rappelez-vous, le seul moyen de sortir est de passer à travers.
accueillir ce voyage peut mener à une guérison profonde. En vous donnant le temps de comprendre que certaines choses ne reviendront jamais comme elles étaient, vous pouvez trouver la paix, le véritable bonheur et devenir une meilleure version de vous-même. Laissez ces pensées vous guider vers un état de tranquillité et de sérénité. Si vous pensez que cette séance vous a été bénéfique, vous pourriez peut-être explorer nos visualisations sur le pardon de soi et la guérison émotionnelle. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils sur le bien-être émotionnel. Si vous connaissez quelqu'un qui traverse une situation similaire, pensez à partager nos visualisations avec eux. Passez une bonne nuit et prenez soin de vous.